Cet aller-retour country vous est présenté par la pulperie de Chicoutimi Musée Régional et Solusson. Cette semaine à la pulperie de Chicoutimi, c'est un aller-retour country avec Danny Darège, Caroline King, Maxime Doucet, Julien Deschênes et Joliane Duguay. Aujourd'hui, sur l'émission, on a pensé avoir un mix de générations. Alors, j'aimerais connaître Caroline et Danny. Avez-vous un conseil à donner à notre élève? Oui, moi, je leur dis amusez-vous. Amusez-vous, les enfants. La persévérance. C'est bien. Et vous autres, là? Qu'est-ce que ça vous fait de chanter avec des icônes du country? Moi, je suis vraiment impressionnée. C'est vraiment un honneur. Wow! On a très hâte de vous entendre. Je n'ai fait
Ils sont beaux, ils sont jeunes. Ce sont les artistes de demain. Mesdames et messieurs, place à la relève. Allô à vous trois. Vous êtes les plus jeunes cette saison-ci, puis afin de mieux vous connaître, j'aimerais ça savoir d'où vous venez, puis quel âge avez-vous? Moi, je viens du Saguenay, et puis j'ai 12 ans. Moi, je suis native d'Allemagne au Lac-Saint-Jean, et j'ai 13 ans. Même chose, moi, je viens d'Allemagne, et j'ai 13 ans. Et malgré votre jeune âge, moi, j'ai pu vous voir à quelques reprises sur scène, et vous semblez avoir une grande aisance. Mais êtes-vous stressée des fois avant de monter sur scène? Non, moi, ça va bien, honnêtement. Pas stressée. Non, moi, je suis plus en adrénaline. Moi, c'est un petit peu pareil, toujours une petite adrénaline. Ça fait toujours du bien. OK. Et avez-vous d'autres passions que le chant? Oui, moi, c'est le cheerleading. Ah oui? Moi, c'est la peinture et le dessin. J'aime beaucoup écouter des documentaires. Je suis quand même assez curieux de nature, alors écouter des documentaires un peu sur tout.
Je sais qu'il est encore tôt, mais est-ce que vous savez déjà si c'est vraiment ça que vous voulez faire dans la vie, de la musique? Oui, énormément. C'est vraiment ma passion. Moi, c'est sûr. Je voudrais faire aussi des comédies musicales. Et toi, Maxime? Moi, j'aimerais vraiment faire carrière dans la musique, si j'ai la chance, mais oui, c'est sûr que j'aime vraiment la musique. On vous a emmené dans notre monde country. Vous avez choisi d'interpréter une chanson du répertoire country. Est-ce que ça vous a donné le goût d'intégrer ça dans votre répertoire? Oui, c'est sûr. Je vais essayer d'en chanter encore plus. Oui, moi, je me suis découvert une grande passion pour le country. Puis toi, Maxime? Oui, honnêtement, je trouve vraiment que ça fait un nouveau beau style musical, de la belle musique country. Bien là, on a très hâte de vous entendre, puis merci d'être là. Chaque jour.
Salut les filles de... Salut, c'est beau. Bonjour, Caro. On est vraiment très heureux que vous soyez là. Vous êtes les filles de deux icônes au Québec, la musique country. C'est quoi de faire partie de cette grande famille, Julie Darèche, Marie King? Bien, c'est tout un honneur, d'un. C'est à notre honneur, à nous. Et puis, ils ont marqué le Québec avec leur belle chanson. Ma petite Carole, que la lune est belle ce soir. Alors, pour nous, c'est une honneur. Puis en plus, mais c'est facile au bout. Parce qu'on a fait ça toute notre vie. Alors, on travaille pas, là, nous, là. On est en vacances. Et là, vous avez décidé de leur rendre hommage avec un nouveau duo, un nouveau projet. Alors, c'est venu de où, ce projet-là? Bien, ça, écoute, c'est un projet que j'avais depuis bien des années. Sauf que j'attendais que Carole revienne à la musique parce qu'elle avait arrêté quand même un laps de temps. Puis quand elle est revenue, bien, c'est la première fois que j'ai fait. J'ai demandé à Carole pour partir de ce projet-là. Ça a été un projet formidable. Écoute, on le fait pendant que nos mères sont encore vivantes. Ouais. Et là, bien, vous avez été élevée là-dedans, toute petite. Est-ce qu'il y a un rituel que vous avez gardé en tournée? Bien, nous, on a un que là, on voyage ensemble. Et puis nos signes de croix, puis quand on va à une église, puis avant de monter sur le stage, puis... Ben, puis moi, ça vient de maman. Je me souviens de voir ma mère faire ça, puis je me demandais pourquoi elle faisait ça pour aujourd'hui. Je comprends. On comprend, là. Qu'elle donne tout son show dans les mains du bon Dieu pour qu'elle fasse un bon spectacle, que les gens l'aiment bien. Et d'avoir des enfants, la vie de tournée sur la route, ça ressemble à quoi? Toi, Caro, on a une, là, une adolescente. Moi, je me suis retirée de la musique lorsqu'elle a eu 14-15 ans, parce que moi, je chantais avec ma mère. Je partais en tournée. J'ai pas su ça, le manque d'une maman, tu sais. Alors, je me suis retirée, comme a dit Dani, une couple d'années, l'avoir passé son adolescence. Mais c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Là, aujourd'hui, c'est une grande fille. Elle est indépendante. Maman, non, ça compte moins, là. Mais dans le temps, c'était ça le plus difficile. Puis c'était l'affaire la plus difficile pour ma mère aussi. Oui, hein, j'imagine. Oui, oui, de laisser ses enfants à la maison. Et là, le retour sur scène, comment qu'on vit ça? Puis avec sa complice, son amitié. Hey, ça fait combien de temps que vous connaissez, vous deux? Depuis toujours. Nous autres, on s'est connus, on était toutes jeunes. On avait 12-13 ans, puis nos parents étaient amis. Marie puis Julie, c'est deux grandes chums ensemble. Fait que moi et Carole, on était tout jeunes. On chantait pas tous les deux, puis on se voyait régulièrement. On se connaît depuis ces années-là. C'est ça que je disais ce matin. Qui nous aurait dit un jour qu'on chanterait ensemble? T'sais, pis... J'ai appelé sa maman pour voir comment est-ce qu'elle allait ce matin. Moi, j'appelais ma maman de l'autre côté. On est deux gros bébés. Donc, c'est un peu un beau cadeau que vous faites de repartager la scène ensemble. Absolument, absolument. Et est-ce que tu dirais, toi, Dani, que tu as la même passion que ta mère, 81 ans? Oui, 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 je l'ai, mais de continuer jusqu'à 81, je ne penserais pas, Caro. Si le bon Dieu le veut, peut-être, mais non, je ne penserais pas. Alors, tu sais qu'on va pouvoir te remontrer l'émission pour voir si c'est vrai. Eh bien, oui. Eh bien, merci les filles de... Ça fait plaisir, Caro. Tu m'aimes pour ce que je suis, car tu m'as pris courage et à venir. Pourquoi partir, les soirs ne voulant plus me revoir? Tu n'as pas de cœur, tu me fais souffrir. Tu devrais rester à la maison. Tu ne vois pas grandir notre petit garçon. J'aimerais que tu sois là pour moi le soir. Quelquefois tu es indifférent, tu vis pour le plaisir. Bientôt
besoin d'un papa. Je ne peux pas te remplacer, il ne pourra plus t'oublier si tu ne m'aimes plus. Pour lui, tu dois rester. Mais je veux prendre le temps de remercier l'accueil chaleureux de la pulperie de Chicoutimi, mes précieux partenaires et collaborateurs, mes super musiciens, toute l'équipe de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Suivez-nous sur notre page Facebook et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre aller-retour country. Nous, on aime la musique country. D'hier et d'aujourd'hui, nous on aime la musique country, c'est d'ici ou du Tennessee. En balade ou encadré, à chanter ou à danser, elle fait partie de notre vie, on est si bien. Bon.
Cet aller-retour country a été possible grâce à Hyundai du Royaume et Hyundai du Saguenay. Les artistes de cette émission ont été hébergés à l'hôtel Chicoutimi.